Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait 4 mois que j'ai rien sorti sur ma chaîne YouTube. Ça y est, c'est le retour. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, donc malheureusement j'ai pas pu être actif partout et surtout sur ma chaîne YouTube malheureusement. Mais là je reviens avec du Brawl Stars, on va découvrir le jeu tous ensemble. J'ai fait quelques vidéos avec sa chaîne Swan Gaming, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup il m'a fait un peu découvrir le jeu et franchement ça m'a donné trop envie de le tester. Let's go. Ok, c'est parti. Donc là je viens vraiment de installer l'application. C'est vraiment le début des débuts des débuts. Je crois que j'ai jamais fait de game sur Brawl Stars, donc vraiment on va découvrir ça tous ensemble. C'est parti, let's go. Justement ça commence, on met un max de pouces bleus et c'est parti. Je vais vraiment être paumé hein. Swan il est assez bon au jeu, donc j'espère que moi aussi. Alors donc, je connais quand même hein, je connais le pouvoir des persos, tout ça, comment jouer à peu près. Mais bon, j'ai jamais vraiment fait de game. Donc du coup déjà j'ai un petit perso, ok. Récupérer les cubes de pouvoir des caisses des ennemis pour devenir plus fort. D'accord, donc là je peux viser. Ok, ok, bon, je comprends un peu le délire. Donc là, faut que je tire sur les caisses. Attends, okay, donc je peux juste viser avec ça. Je peux pas appuyer directement. Je suis perdu. Je suis complètement paumé. D'accord, faut que je redis. Il faut que je dirige la caméra. D'accord, ok, comme ça. Je suis éclaté au jeu, c'est une dinguerie. Mais Son, il est bien meilleur que moi en fait. Ok, continuez, d'accord. Ouais, bah j'ai perdu ma première game, trop bien. Je suis vraiment nul en fait. Hein. Ok, c'est parti, on en refait une. J'espère être un peu meilleur. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse mise à jour en ce moment, Godzilla et tout. Son, il a sorti plein de vidéos sur sa chaîne Son Gaming, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, on refait une game. Bon, j'ai à peu près compris comment ça marche du coup cette fois. Bon, bah, je me suis déjà fait éclater, je me suis pris une balle. Ok, donc en fait, c'est un peu comme un Battle Royale, hein. C'est un peu comme Fortnite, donc j'aime bien. Le concept est bien sympa, on va viser ici du coup. Hop. Voilà. Non, je vais mourir. Non, mais il y a un poco. Non! Mais vas-y, mais je peux juste récupérer les caisses là. Ah voilà, c'est bon. Donc là, je gagne un niveau en fait. Donc je deviens fort. Non, bon, non, non, je suis une dinguerie. Bon. Non, mais je me fais éclater. Mais laissez-moi tranquille! Mais il y a 20 personnes sur la game, c'est. Ok. Ok, on slalom, on évite. Non, mais c'est super compliqué. Je vais le heal un petit peu. J'ai toujours pas mon ulti, je crois que ça s'appelle comme ça. Ok. Bon, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ok, celui-là on peut le tuer, on peut le tuer. Let's go! Prendre le El Primo derrière là. Ok, non, ça va, il m'attaque pas. Il m'attaque pas, bon, c'est déjà ça. Par contre, il me suit, hein. Dangereusement. Oh, je sais pas viser. Ok. Bon, là ça va en vrai. À peu près. Ok, non, en vrai ça va. Ça va. Franchement, là je commence un peu à maîtriser. Alors c'est pas mon perso préféré celui-là, mais en vrai ça va. Il a 8, j'ai bien répété. Ulti, ulti. Ah non, c'est bon, je peux le tuer, je peux le tuer. Non. L'ulti, c'est bon. J'ai gagné. J'ai gagné, ok, let's go. Yes. Ok. C'est bon. C'est bon, je suis le meilleur joueur. Bon, en vrai, c'est que des bots, hein, donc logique que je gagne. Enfin, heureusement, limite, hein. Donc, ok, ok, ça va, j'ai gagné quelques trucs, d'accord. Bon retour. Mais je suis jamais venu sur le jeu. Quoi? Quoi? Pendant votre absence, nouveau brawler? Hein? C'est l'heure du brawl joué? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, j'ai pas compris. Hein? Mais de quoi j'ai un nouveau brawler? Mais de quoi? Mais il est loin. Il est loin dans le jeu ce perso là. C'est pas un perso qu'on a dit direct dans le début. Je suis complètement paumé les gars là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh les dégâts qu'il met! Oh mais il est super fort ce brawler. Ok. Non mais je comprends pas ce qui vient de se passer là. Là il y a un truc, je comprends pas ce qui vient de se passer là. Littéralement je viens d'avoir un nouveau brawler, mais genre qu'on débloque beaucoup plus tard. Soit tu te rends compte il l'a eu mais super tard ce perso. Alors c'est quoi ton petit? Oh ça stun. Oh c'est vraiment super fort. Non bon, là je roule sur tout le monde hein, vraiment. Il est vraiment cheaté ce perso. Ok bah c'est carré hein. Je pense qu'on va faire top 1. Après je vais voir combien il a de... Je sais pas comment ça s'appelle les trucs verts là, c'était des badges. Je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire. Mais du coup je sais pas s'il en a plus que moi. S'il en a plus, bah je vais me faire éclater. Ok, il est là. Il se cache, je crois qu'il a mis un ulti, je sais pas ce que c'est. Mais il est là du coup, ça veut dire. Ah non, il est là. Mais c'est quoi ce truc du coup? Il est à même niveau que moi par contre. L'ulti, l'ulti, on stun. J'ai raté. Non, c'est bon. J'ai pas raté. Et on vit. Il est nul pour moi. Ok, tranquille. Tranquille. Ok, par contre là, je viens vraiment pas de capter ce qui a fait passer là par rapport à ce personnage. Donc on va direct voir ce qui s'est passé. Je comprends pas, je suis bugué là, j'ai vraiment. Attends. Légendaire quoi? Direct?
Mais quoi? Mais j'ai direct un skin. Mais attends, mais je viens de commencer le jeu il y a 2 minutes là. J'ai direct un nouveau brawler qu'on débloque dans super longtemps, un skin et tout, mais c'est une énorme dinguerie. C'est quoi ce truc du fou? Alors attendez. C'est où le brawler? Faut appuyer là. Hein? Mais... Vous pouvez m'expliquer ce qui vient de se passer là? En gros, je commence le jeu, genre littéralement je commence le jeu, j'ai direct un deuxième brawler et c'est un brawler qu'on débloque bien plus tard. Genre on le débloque environ vers... vers Rosa là, je sais pas si vous voyez ce perso là, Rosa là. Et bien Swan il l'a débloqué à ce niveau là le perso. Alors pourquoi je le débloque maintenant? Genre dès le début, avant les persos de base, genre Nita, Colt et tout. Et en plus j'ai déjà un skin, mais c'est génial. Ok bon on le prend direct hein, avec le skin. En plus il est vraiment fort, donc c'est carré. Ok magasin, y'a quoi? De toute façon je peux rien acheter, plus ça là, voilà, ok. Ok je comprends à peu près comment ça marche. D'accord. Bon, je suis impatient que Swan m'aide un petit peu parce que là je suis vraiment paumé sur le jeu. Mais voilà, vous me direz, vous me donnerez des conseils, je compte sur vous. Ah oui, il y a ce nouveau perso là, c'est par rapport à l'événement Godzilla. Ok, bon, j'ai vu un peu comment on joue ce perso, il est pas ouf. Swan, de ce qu'il m'a montré, il a un super qui fait pas beaucoup de dégâts, il peut juste attirer les ennemis et les stun. Ou non, c'est nous qui venons sur les ennemis plutôt, c'est l'inverse. Donc je suis pas hyper emballé par le perso. Par contre, le gros Frankenstein là, comment il s'appelle? Lui, franchement, Franck, lui il est vraiment fort par contre. Allez, on va direct le rejouer, c'est parti. Let's go. Ok. Bon bah là on refait un top 1 hein. Fais voir le skin du coup. Je vais voir le skin moi. En vrai il est stylé. C'est un bon skin dès le début. Et puis surtout que avoir un skin dès le début, je crois que c'est pas souvent hein. Il me semble hein. Ok allez c'est parti. Ok on peut en récupérer deux en même temps là. Oh c'est vraiment fort hein. Non il est vraiment fort ce perso hein. Pardon, moi je suis vraiment éclaté. Hein. Voilà, lenteur avec laquelle j'éclate des trucs, c'est une dinguerie. Mais il arrive par là. Oh, il m'a esquivé. Si je fais ça. Voilà, ok, c'est ce qu'il fallait. Ah, oh, c'est dur de viser. Oh, je suis vraiment éclaté. Hein. Ok, il est mort. Là, je vais mourir. Non. On va le stun. Voilà, bien vu. Et c'est fini. Ok, par contre, je vais mourir. Non! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Non! Oh là 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 là, j'ai failli mourir. Oh, c'était hyper serré. Hein. Oh. Ok, en vrai, ça va, je m'en sors. Bon, là, on va se faire heal. Ouais, je gagne là, normalement. Il est vraiment pété, ce perso. Hein. Bah, en vrai, surtout dès le début du jeu, je pense que c'est pas forcément qu'on l'a. Hein, donc, trop bien. Ok, c'est parti! Bon, faut trouver les deux derniers. Il y en a déjà un là. Le stun. Voilà. Quasiment mid-life. Et j'aimerais bien finir. Mais il fait rien. En vrai, c'est des gros bots. Mais voilà, c'est pas grave. On va faire genre que je suis skillé. Ok, on va faire genre que je suis fort. Allez, c'est parti. Bon, en vrai, on peut direct. Comment on a eu les attaques? Voilà, comme ça. Là, on peut direct lancer l'ulti, je pense. Il est là, non? Il est là. Ok. Bien vu. Et c'est fini. Let's go. Ok. Je m'en sors. Franchement ça va, c'est que des bots, heureusement finalement, mais ça va, je m'en sors. C'est carré. Bah, let's go. Allez bah en vrai, je connais rien au jeu donc je vais regarder un peu ce qu'il y a partout là. D'accord, ok, voilà. Ah en vrai il y a le nouveau truc Godzilla, j'aimerais bien tester. Bah, on le fera peut-être dans une autre vidéo ça, on verra. Pour l'instant je vais obtenir. Ah d'accord c'est payant, ouais d'accord, ok c'était pas aussi facile. Ouais forcément. Enfin attendez non, en vrai niveau le truc Godzilla faut le faire parce qu'il y a des œufs et tout à débloquer je crois. Oh j'ai Nita ça y est. Let's go, c'est le main de Swan je crois Nita. Ok. Alors ce perso il est vraiment intéressant, on va direct le jouer. Parce qu'il peut faire. Il peut invoquer un ours et franchement c'est carré hein. Et le costume c'est prochain d'accord. Il y a plusieurs événements, ok. Bon je vais rester en Battle Royale classique pour l'instant, je vous avoue que c'est un mode que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va améliorer ce perso. Un petit peu, voilà. Mais attends mais Franck il est. Pourquoi il a beaucoup plus de niveaux que les autres? Vous me direz en commentaire, hein. Je suis vraiment perdu de chez perdu là. Comment on change de perso? Ok voilà, c'est parti, let's go. En vrai pour l'instant j'ai envie de m'habituer un petit peu avec les persos, voilà, pour choisir mon main. Bon, pour ceux qui savent pas, main c'est personnage qu'on va tout le temps prendre. Après je suis pas sûr que ça se joue comme ça, bon le star, tu testes un peu tout le monde, il me semble. Hein. Allez c'est parti. Donc c'est un perso que j'aime beaucoup parce qu'en fait tu peux faire pas mal de strats avec, c'est-à-dire que tu peux faire spawn un ours qui va déjà être assez puissant. Et en plus de ça, qui va en fait trouver les ennemis, c'est-à-dire qu'il va pour les détecter, tu vas juste suivre l'ours et trouver les ennemis qui se cachent un peu partout sur la map. Donc franchement, c'est déjà bien cheaté. Il y a un popo là.
j'ai raté, non. C'est garé. Donc là, on va faire spawn l'ours. Et normalement, voilà, on a juste à le suivre et il va trouver les ennemis. Donc franchement, c'est très très fort ça. Ok. Non, vraiment, c'est vraiment cheaté. Hein. C'est littéralement un détecteur de mobs. En plus, il tank pour moi. Et là, on a juste à spam l'adversaire. Je dis ça, mais je vais faire tuer. Oh, mais il fuit là. Mais vas-y, reviens là. Ok, c'est bon. Allez, non, franchement, il est trop cheaté ce perso. Ok, déjà en top 2. Bah, let's go. Bah, du coup, là, regardez, l'ennemi il est caché. Donc là, on a juste invoqué l'ours. Et voilà, il va nous trouver l'adversaire et on va faire le top 1. C'est aussi simple que ça. Vraiment, ce perso est complètement pété, comme je vous disais. Donc voilà, il est là. On le spam. L'ours tank pour nous. On le termine. Il est vraiment fort par contre. Il est super fort. Il est super fort. Wow, mais il était vraiment pété le gars. Je sais pas combien il avait de badge vert, j'ai pas regardé. Mais le combat était difficile. Hein. Mais vraiment, ce perso est complètement pété. L'ours, il tank. Il se bat pour toi. Il trouve les ennemis à ta place. Non, ça y est, il est trop cheaté. Il est vraiment trop cheaté ce perso, l'Anita. Donc on va pas mal le jouer. Après, le tank là que j'avais là, il midlife les persos en un coup. Franchement, très propre aussi. Hein. Franchement, je sais pas qui je vais jouer à fond. Mais pour l'instant, là j'ai deux persos très intéressants dès le début. Hein. Donc franchement, c'est carré. Ok, il y a plusieurs Nita, d'accord. Allez, let's go. Allez, on farm un petit peu les coffres. Oh non, il va récupérer. Non, il a récupéré ma place, je vais mourir. Non! C'est une blague. Allez, l'ours. Ok, c'est bon. J'ai vraiment cru que j'allais mourir donc. Bon, alors là, j'ai fait spawn un ours random donc il va aller chercher un ennemi. J'aurais peut-être dû suivre l'ours, mais bon. Tant pis, je vais récupérer quelques boîtes. Je pense que mon ours est mort, non? Il est où l'ours? Ouais, il a dû mourir, je pense, en trouvant l'ennemi, je suppose, hein. Ouais, c'est ok. On voit que le primo il a perdu de la vie donc forcément que c'est lui qui a affronté mon ours. Ouh là là! Je vais partir, mais là je vais mourir. Hein. Oh, il m'a lancé une ulti. Oh, il fait un emote! Non, laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille là, le primo! S'il te plaît! Oh, mais l'ulti qui m'a pas lancé là, ça fait mal. Hein. Ok, il y a des coffres, là on va les récupérer. Parce que là on va avoir beaucoup de chance contre lui sinon. J'ai du mal encore à me diriger un peu sur le jeu. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ok, allez. Bon là en vrai on est plutôt bien. Ok. Ah d'accord, attends, je peux tirer. Attends, je regarde un peu les amis, je suis un peu paumé. Attends, je peux tirer dans le sens. Ah mais mon ours il est encore là. Ah non, c'est l'ours adverse. Non, c'est un ours ennemi. C'est un ours ennemi, non. C'est la Nita qui est sur la map qu'on avait vu. Mais il l'a balancé comme ça sans me chercher. Ok. Il est là. Allez, l'ours, l'ours, et on part, on part, on part, on part. Voilà, let's go. Ok, mais c'était débile de sa part de pas se ramener avec l'ours en fait. Mais au début, je pensais que c'était le mien qui avait survécu toute la game. Heureusement, je me suis pas fait avoir. Mais ok, 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 faut faire attention à ça. Mais en vrai, voilà, en fait, Nita, c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup parce qu'il faut utiliser de la tactique, faut être un peu stratégique pour jouer le perso, et c'est ce que j'aime, tu vois, parce que c'est un jeu où tu vas te dire un peu que c'est un peu bourrin et tout, mais en fin de compte, il y a quand même de la strat, tu peux gagner en utilisant un peu ton cerveau, tu vois. Donc ce genre de perso, c'est exactement ce que j'aime bien, donc voilà, il faut utiliser un peu de stratégie. Allez, c'est parti. Là, tu vois, le joueur, il aurait dû se ramener avec son ours, et c'est pas ce qu'il a fait, du coup, il a perdu. Voilà, donc là, faut avoir du skill. Je dis ça, mais c'est que des bots, vraiment, mais bref. Allez, c'est pas grave. C'est parti. Oula, mais direct. Direct, direct, direct. Ok, je peux peut-être le tuer. Ouais. Ouais, je peux peut-être le tuer. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Oh là là. Et l'ours direct. Ok, c'est carré. Merci à l'ours. Qui s'est pris aucun dégât, littéralement. Je sais pas ce qu'a fait l'autre, mais. Donc là, je peux balancer un autre ours, mais je crois que l'autre va disparaître. Donc on va pas le faire. J'ai vu que Swan. Ah bah non, j'ai lancé mon ulti sur l'esprit, du coup c'est ce qui vient de se passer, voilà. Donc voilà, on a l'exemple, mais je voulais pas le faire, j'ai pas fait exprès. C'est un miss. Au moins il a toute sa vie, bon il y en avait pas beaucoup. Oh, le double kill. Mais, non mais l'ours, mais... Mais nerfez ce perso là. Mais nerfez Nita. C'est dingue. Bah mais regardez, la game c'est fini en 2 secondes. Nerfez ce perso là, vraiment, c'est un truc de... Voilà, je pense qu'on va changer de jeu, on va aller sur une autre partie. Oh. Ouais, on va faire autre chose que le Battle Royale maintenant. Je peux récupérer des trucs, d'accord, let's go. Carré. Oh, du coup, j'ai le primo. Ok, c'est parti. Bon, en vrai, on va direct jouer, je pense. Et pour un nouveau brawler.
Apparemment celle-là elle est pas très forte. Bon allez, on prend direct El Primo du coup hein. Il est là, donc on va l'améliorer un peu. Voilà. Ouf, ok, tu vois, on l'a bien amélioré. En vrai Nita aussi, parce que en vrai ce perso, bon, il est vraiment très fort, hein. Je pense qu'on va le jouer assez souvent. Ok. Alors, je suis complètement paumé les amis, là je cherche comment faire d'autres modes de jeu. C'est là non? Brawl Ball, ok. Allez on fait ça, c'est un mode foot. Ça on a testé au début je crois. Donc c'est parti hein. D'accord, ok, on a une sorte de balle et je sais pas ce qu'on va faire. On va découvrir, je connais pas. Allez c'est parti. Let's go. D'accord, donc en fait, on chope la balle. Ok, d'accord. Et après, c'est à nous de lancer sur l'équipe adverse. Bon, je vais faire éclater, du coup, forcément. En vrai, non, ça va. Non, mais je vais direct pouvoir marquer un but. Non, je vais faire tuer. Oh, bah là, du coup, d'accord, j'ai compris le concept. Bon, c'était rapide et facile. Ok. Donc là, en gros, quelqu'un prend la balle et ensuite, faut le courir. Là, je vais faire spawn l'ours. Allez, donc toi, tu prends la balle. L'ours et moi, on le court. Ok, c'est parti. Bah là, en fait, on marque obligatoirement. Mais genre, vraiment. Facile. On les éclate là par contre, c'est dingue. On a direct gagné, ok. J'ai bien le mode de jeu. Ok, sympa, sympa, sympa. Ok, j'ai gagné ça du coup. Donc je me suis un peu renseigné, apparemment avant il y avait des boîtes. Maintenant c'est plus ce genre de truc, je sais pas ce que c'est. Et apparemment les boîtes c'était dingue. J'ai raté ça du coup. Bon, voilà, je connais pas trop l'ancien Brawl Star. Me dire en commentaire comment ça se passait. Survivant. Solo pour l'instant. Ah d'accord, donc en fait j'ai juste ces deux modes pour l'instant. C'est tout, ok. Bon. Swan m'expliquera un peu tout le reste, vu que je suis bien perdu pour l'instant. Allez, c'est parti. Allez, on farm des boîtes. Tranquille, voilà, ok. Il va m'éclater, non? Ça va être chaud de le battre, lui. C'est heal en plus. Il est là, il est là. Ok, c'est bon. Non, je vais mourir. Non, laisse-moi tranquille. Oh, oh les dégâts que l'ours par contre. Il a failli la tuer. Il l'a terminé. Non, mais c'est trop. Il est vraiment pété ce perso. Non, il fait tellement mal lui. Non, je vais mourir. C'est vraiment chaud là. Ok, c'est pas simple cette game. Non, 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 il va lancer son ulti lui. Il me fait peur là. C'est quoi ça? Oh, il y avait un ulti avec des bombes qui était placé ici. Non, bah oui, ça se place en 3, je suis débile. Mais voilà, je connais pas trop donc voilà. Et... Oh là, l'ulti qui vient de balancer là. Ça fait mal. Elle est serrée cette game, hein. Donc on va peut-être le finir. Non, il a toute sa vie. Oh là là, allez, un ours. Ouais, c'est déjà bien d'avoir placé, ok. On peut le finir, on peut le battre, on peut les battre. Ok, ça y est. Oh, il y a un combat d'ours. Oh là là. Allez, on peut battre l'Anita là, je pense. Elle va le mettre simplement d'ours. Hein. C'est bon, j'ai tué. Ok, c'était la dernière. Let's go. Oh franchement la game elle était épique là. C'était bien serré. Ok. Bon ça va. Bon dites-moi en commentaire si je me débrouille pour l'instant en tant que débutant de Brawl Stars. Voilà. Pour l'instant franchement je kiffe le jeu. Une très bonne découverte. Hein. Je pense qu'on fera d'autres vidéos dessus. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse des thèmes en particulier sur le jeu. Voilà. Allez c'est parti. En tout cas les amis j'aimerais bien me remettre un peu sur ma chaîne. Voilà. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dès le début de la vidéo. Mais voilà je vais faire un petit message par rapport à tout ça. Comme je vous disais, j'étais pas mal occupé ces derniers temps, donc forcément c'était un peu compliqué de me remettre dessus. Mais là j'aimerais bien me remettre sur quelques vidéos, voilà, ça me ferait plaisir, ça me manque un peu, enfin ça manque même beaucoup à vrai dire. Donc voilà, ça me ferait plaisir de me remettre dessus, que ce soit les lives ou les vidéos, donc voilà. Normalement il devrait y avoir des contenus un peu plus souvent sur ma chaîne, je l'espère. Allez c'est parti, on débute la game. On éclate la box qui est juste ici. Ok, bon voilà, tranquille pour l'instant. J'aime bien ce mode de Battle Royale, c'est original. Du coup, vu qu'on a plus de logo vert, on a forcément l'avantage. Mais là, il y a beaucoup trop de joueurs, donc on va vite se barrer. Ah non, on peut le finir, lui. Ok, c'est carré, voilà. On prend tout ça. Il est super fort, le perso beau, là, lui, là. Oh, il a mis des bombes. Ok, c'est bon. Donc là, l'ours,
Il va l'encercler et moi j'arrive pas derrière. Ah, il l'a one shot. Non, au revoir. Ah non, ça va en vrai. Je pensais qu'il faisait beaucoup plus de dégâts que ça. Mais Swan m'a dit que ce perso était super fort là. Oh, il est vraiment fort, effectivement. Ok, il est caché dans le buisson, je suppose. Non, il est là. Oh, il s'est pris une bombe. C'est l'occasion jamais de les éclater tous ensemble. L'ours, allez hop. C'est fini. Ah bah voilà, let's go, top 1. Ok, c'était rapide. Bah après, bon, voilà. C'est que des bots. Mais après, je pense que ce sera beaucoup plus dur. Ok, bah let's go. On avance bien, franchement. Carré. On va reprendre le tank Franck, là, qui était bien puissant. J'ai envie de le rejouer un petit peu. Let's go, voilà, choisir. Ok, c'est parti. Allez, let's go. En vrai, les amis, dernière game, je pense. Allez, on se refait un petit top 1. Et c'est parti. Ok. Ouais, en termes de dégâts, c'est vraiment pas la même chose. Après, bon, il est très lent. Pas normal, hein, c'est un tank. Hein. Hop. Ok. En vrai, je n'avais pas remarqué, mais du coup, il y a 10 joueurs par game. Ouais, donc ça fait des Battle Royale assez rapides. Est-ce qu'il y a, il y a un mode 100 joueurs? Parce que c'est vraiment stylé, je pense. Hein. Un mode 100 joueurs sur Brawl Star. J'aimerais bien tester hein, si ça existe. Ok, non, il fait vraiment trop mal. Il fait vraiment beaucoup trop mal. Hop, j'ai pas encore l'ulti. Y'a pas quelqu'un qui est caché? Ouais, dans le buisson là, d'accord. Un coup de marteau, je pense que c'est fini. Hein. On va pas eu besoin. Derrière là. Il a même pas récupéré les badges verts, je sais pas pourquoi. Mais ok, très bien, ça m'arrange. Ah d'accord, bon bah là en fait j'ai l'avantage, du coup je vais forcément gagner. Et là, le stun, et on finit, en beauté. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ces vidéos. Franchement, on les a éclatés. Bon, bah, je me débrouille plutôt bien, je trouve. Enfin, je crois. Vous me direz en commentaire. Donc voilà, franchement, Brawl Stars, grosse dinguerie. Je pense que je vais faire d'autres vidéos dessus, je vais découvrir un peu le jeu avec vous. Moi, j'ai vraiment kiffé pour le coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Oh, j'ai gagné un petit dernier truc. Attendez, on va terminer avec ça. Ok. 50 pièces, c'est carré. Ok, ok. Bref les amis, si ça vous a plu, on met un max de pouces bleus, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche et à la prochaine, salut à tous, ciao!